I'm Elizabeth McDonald, web reporter for GC41. Et je suis Stéphane Godet, votre reporter web en français pour ce 41e Conseil général. Hours ago, commissioners arrived from long flights and bus rides looking worn and weary. But just like wilted flowers that straighten right up with fresh water in the vase, commissioners came to life as they transformed a university gymnasium into a living, laughing, loving circle of community in conversation. Oui, ça a été une journée haute en couleurs avec une célébration au cours de laquelle on a eu un heureux mélange de français, d'anglais, d'espagnol, de danse, de chant et de musique. Et on peut se réjouir de la place du français au cours de cette première journée. La modératrice Marty Tindall a fait la moitié de sa prédication sur le passage de Michée 6-8 en français. Alors, je crois que c'est remarquable. Et ici, sur le site du campus de l'Université Carleton, tous les écriteaux qui ont été posés par les organisateurs de ce Conseil général sont écrits dans les deux langues officielles. Alors, le français a une place de choix au cours de cette première journée et je crois qu'il aura une place de choix au cours des 9 jours, des 7 jours à venir. As is now the practice at the beginning of United Church meetings, commissioners were addressed by a local Aboriginal leader, Councillor Claudette Kamanda declared, "Welcome to unsurrendered Algonquin territory. We are friends here. I shake your hands with my heart. May the Creator continue to watch over us and call us into this circle forevermore." Alors, c'est la fin de cette première journée. Vous voyez derrière nous les délégués qui retournent à leur résidence après cette journée qui a été bien chargée pour eux avec le voyage. Alors, on espère que vous serez des nôtres demain pour d'autres capsules vidéo. Et vous pouvez continuer de nous suivre sur Twitter, sur Facebook et de suivre les travaux du Conseil général en direct sur Livestream. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir.